Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique. Alors cette fois, on va s'attaquer à un sujet assez spécial. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur les jeux Mugen, qui ont en quelque sorte des jeux de baston en 2D totalement, mais customisés, limite reprogrammés, où on met mélangeant des personnages de chez DC, Marvel, Capcom, SNK, etc. etc. ainsi que d'autres. Et là maintenant, on va s'intéresser à d'autres jeux, non pas des jeux Mugen, mais qui ressemble un petit peu à des jeux Mugen, c'est les jeux open board. Alors, les jeux open board, c'est quoi? Et bien, comme je viens de vous dire, c'est un petit peu comme les jeux Mugen, sauf que c'est quelque sorte des jeux quasiment mais programmés et reprogrammés et limite customisés, qui mélangent à la fois les jeux de plateforme et les jeux beat'em up et aussi autre chose. Voilà. Bref, vous verrez ça. Donc, c'est parti. On va pas perdre de temps. On va s'attaquer tout de suite à notre vidéo spéciale critique spéciale jeu open board. Go. Alors, les jeux open board, alors je sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler, c'est un petit peu comme les Mugen, sauf que c'est quasiment mais customisé comme si c'était pas permis. Alors, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Alors, ça va à l'encontre des jeux beat'em up, des jeux de plateforme, ainsi que d'autres. Bref, ça, franchement, il y en a certains qui sont pas mal. Je vous conseille franchement de les tester, et d'ailleurs, c'est ces mêmes jeux dont on va en parler. Puisqu'on parle de jeux open board, je vais vous citer quelques-uns, notamment celui que j'ai rencontré pour la première fois, c'est celui-là, Kill Bill. Non, vous ne rêvez pas, il existe bel et bien un jeu Kill Bill en version open board. Hein. Par contre, je ne sais pas s'il existe d'autres jeux par rapport avec le film qui est voyez, tiré du film Kill Bill de Quentin Tarantino, mais c'est pas grave. Alors franchement, c'est un petit beat'em up assez sympa, où on contrôle la mariée qui n'hésite pas à buter des culs et trancher les gueules. Voilà. Alors déjà, premièrement, le jeu respecte bien le film, on reconnaît bien les décors. Ainsi que les personnages, notamment la nana qui est la fameuse mariée avec sa tenue de motard. On rappelle étrangement Bruce Lee dans le jeu de la mort. Alors j'ai remarqué que la plupart des jeux open board que j'ai croisés sont tous des jeux beat'em up, je sais pas pourquoi. Passons tout de suite à un autre jeu qui est aussi un jeu open board mais qui n'est quasiment pas un jeu beat'em up pour la simple raison que ce n'est pas un jeu beat'em up, c'est le jeu Cosmo Cats. Alors croyez-le ou pas, mais franchement ce petit jeu, bon c'est un petit jeu de plateforme qui est assez sympa à jouer, hein. Je vais vous montrer quand même quelques extraits. Voici donc quelques extraits du jeu open board sur la licence Thundercats ou Cosmo Cats si vous préférez. Alors ce petit jeu franchement, il a l'air d'être sympa, il respecte bien l'univers des Cosmo Cats. Ouais, franchement, c'est pas mal. Mais je pense que ce jeu s'inspire plutôt de celui de la version ZX Spectrum ainsi que Amiga. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, il y a eu pas mal de jeux qui sont tirés de la licence Cosmo Cats, notamment lui qui est sorti sur Amiga ainsi que sur ZX Spectrum. Mais je vais quand même vous montrer la version Amiga. Bah dis donc, bonjour l'austérité, hein. Quand on pense qu'on est passé de ça. Cosmo, 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 à ça. Et puisqu'on parle de jeu open board une nouvelle fois, alors on va s'intéresser tout de suite à un petit jeu de plateforme tiré de la licence Castlevania, sauf que, alors ce n'est pas a priori un véritable jeu Castlevania pour la simple bonne raison qu'il ne figure pas dans la liste des jeux Castlevania, il s'agit de Castlevania Legacy of Dracula, traduction Castlevania, l'héritage de Dracula, voilà. Bon, attends. Oui, alors vous l'aurez reconnu, on contrôle Alucard, le fils de Dracula, qui doit quasiment parcourir toute la Transylvanie pour aller atteindre le château. Alors franchement, ce jeu, franchement, il a beau être un jeu open board assez customisé, je le trouve assez bien foutu. Hein. Et quand je parle de jeux beat'em up ou des jeux open world tirés de jeux beat'em up, je ne me suis pas trompé, il en existe quelques-uns, notamment celui-là, les fameux jeux tirés de la licence Final Fight, qui a été programmé par les studios Capcom, qui ont bien sûr la mythique série Street Fighter. Alors, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont assez pas mal, et d'ailleurs, en les visionnant, je me demande si certains programmeurs de ces jeux n'ont pas fait leur stage chez Capcom. Non, parce que. Je vous préviens, le jeu que je vais vous montrer, mais c'est quasiment Final Fight. C'est un bon point parce que c'est aussi un jeu Final Fight, mais c'est quasiment Final Fight version Ultimate Evolution, quoi.
Et puisque je vous compare le Final Fight, voici un qui est totalement bien foutu, c'est celui-là. Voilà. Alors, premièrement, le jeu est pas mal, franchement pas mal. D'ailleurs, on connaît bien les deux personnages principaux de la franchise, à savoir Cody et Guy. Mais il existe aussi deux. On peut aussi jouer divers personnages. Attendez, il me semble que j'ai vu. Attendez, oui, on reconnaît bien sûr Sodom, ça c'est, ça on l'avait compris. Voilà. Franchement, le jeu est pas mal. Et aussi, on peut aussi jouer des divers personnages de la série Capcom, enfin de la franchise Street Fighter, notamment Zangief. Waouh, mais vraiment bourrin, vraiment bourrin. Waouh. On a quasiment balancé toute la purée de Capcom là. Quand je vous dis que Zangief a eu son propre jeu open bar et qu'il dit son propre jeu beat'em up, ben voici quelques extraits. Voilà. Bon, alors j'ai l'impression que Zangief a troqué sa tenue de Street Fighter pour se lancer comme. Et qu'il est devenu une sorte de videur de rue, si je puis dire. On passe tout de suite à un autre jeu que j'avais déjà croisé. C'est alors, d'après ce qui est écrit, il se nomme Street of Rage Max, un jeu en rapport avec Street of Rage, sauf que c'est un petit peu plus différent. On joue divers personnages, notamment Kyo et Shiki, qui sont deux personnages de chez SNK, et Zangief. Et on va s'empresser d'aller voir certains images. Attends, accélérer. Attends une minute. Attendez une minute. Attendez, parce que la nana de gauche, elle me dit quelque chose. Attendez. Ah mince, on l'a loupé. C'est pas grave, on va voir autre part. Ah voilà, attendez. C'est là. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà, c'est là. Là, je la reconnais, celle-là. C'est Junon. Ou plutôt June, la femme chevalier de bronze du caméléon dans Saint Seiya. Qu'est-ce qu'elle fout là dans ce jeu? Je sais pas pourquoi. Bon, sinon, mis à part ça, c'est. Ah tiens, lui aussi je le connais. Je crois que c'est un personnage qui s'appelle Jean. Il est dans un autre jeu de baston, mais je sais pas, je sais plus lequel. Si quelqu'un peut me le dire en commentaire. Enfin, certains de ces jeux sont pas mal. Je vous conseille franchement de les tester. Et d'ailleurs, juste avant la fin de la vidéo, je mettrai, comment dirais-je, quelques instructions pour savoir si vous voulez tester ces jeux. Oui, parce qu'on peut les télécharger, ces jeux. Et s'il le faut, j'en mettrai encore un petit peu plus. Et si je parle encore une fois de plus de jeux bizarres, je peux vous montrer certains qui ont été certains jeux de licence connue qui ont été quasiment mais customisés, un peu comme si on customisait une bagnole quoi. Alors c'est bien sûr Joe et Mac. Alors Joe et Mac, quand même ninja, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit jeu de plateforme où on contrôle les deux petits hommes préhistoriques qui pratiquent l'art des ninjas, qui doivent sauver des demoiselles en détresse kidnappées par d'autres par des monstres et par des autres hommes préhistoriques. Et ben croyez-le ou pas, il existe un autre jeu de ce même jeu. Et la version beat'em up. Non, c'est pas une blague. Voici la preuve. Alors, voici donc le fameux jeu beat'em up de Joe Mac Cavern Ninja version beat'em up. Et franchement, je sais pas qui a programmé ce genre de jeu, mais je trouve ça assez flatteur. Et puisqu'on parle d'autres jeux beat'em up, il y en a un qui m'a interpellé, c'est celui qui se nomme Mortal Kombat Outworld Assassin, où on contrôle divers personnages de Mortal Kombat et où on doit affronter des persos de l'univers de Mortal Kombat, qui je vous rappelle, c'était un jeu beat'em up, et pas un jeu de baston comme on avait l'habitude d'en citer. Hein. Voilà, déjà, on commence super fort. Oui, alors quand je vous dis qu'on rencontre certains personnages de l'univers de Mortal Kombat, ça va à l'encontre des sous-personnages et des personnages qu'on ne cite pas beaucoup, mais qu'on cite quand même, notamment, par exemple, celui-là qui est derrière Scorpion, c'est un garde qui apparaît dans le premier Mortal Kombat, si je me souviens bien. Ouais,
Lui aussi, il est pas mal, franchement, il est pas mal. Je vous conseille de le tester si un jour vous avez envie de le tester. Hein. Alors, tout ce que les moines m'ont appris, toute leur légende était donc vraie? Bon, et bien évidemment, si je vous parle de certains jeux beat'em up d'une licence connue, par exemple, si je peux vous citer, par exemple, Street of Rage, alors parce que les versions de jeux de Street of Rage, on a quasiment une cascade, qui était notamment les fameux jeux hackés dont j'ai essayé d'en parler quelques-uns dans une de mes anciennes vidéos. C'est un autre jeu. Alors, imaginez si vous prenez le jeu de Street of Rage, et si vous prenez un jeu de Street of Rage, et que vous le mélangez à une sorte de scénario à la apocalypse zombie. Eh ben, croyez-le ou pas, mais des programmeurs l'ont fait. Et comme promis, voici donc la version Street of Rage avec des zombies. Oula. Oh putain, je crois qu'on est tombé sur un winner. Putain, c'est sans conteste le jeu le plus bourrin de la Terre. Franchement, je dis bravo parce que bravo parce que franchement, ces mecs, je sais pas comment ils ont fait pour programmer des jeux et de customiser des jeux comme cela, mais franchement, ils méritent le haut de gamme. Franchement, ils méritent le haut de gamme. Franchement, il y a pas à dire, je sais pas qui c'est qui ont fait ce genre de jeu, mais c'est vraiment des sacrés bosseurs. Alors, et si certains d'entre vous veulent tester certains jeux open board, ben, je mettrai quelques instructions ainsi que quelques trucs intéressants qui ont rapport avec ces jeux en bas de la description. Alors, franchement, il y a de tout, hein. Il y a le fameux jeu qui est Kill Bill, que j'avais déjà cité. Il y en a un sur Bleach, ouais. Sinon, il y en a un sur Dragon Ball. Oh merde, putain de. Excusez-moi, c'est encore ces putains de spam publicitaires qui viennent me faire chier, c'est pas grave. Bon, sinon, il y a aussi pas mal d'autres trucs. Ghoul Ghost, Road Rash. Ah, je savais pas qu'il existait un jeu open board sur ce jeu, mais bon, ouais, ça va. Il y en a un sur Naruto, Rael. Alors, je sais pas ce que c'est, ça va être probablement un jeu beat'em up où on contrôle un démon qui s'appelle Rael. Ouais. Là, c'est Tortue Ninja, Double Dragon Zero. Bref, il n'y a que du beau monde. Bref, si ça vous intéresse, je mettrai tout ça en bas de la ligne. Et si ça vous intéresse, bien évidemment. Voilà les gens, c'est donc la fin de cette vidéo spéciale critique sur les jeux open board. Alors si vous voulez tester certains de ces jeux, ben, je mettrai les liens en bas de la description. D'ailleurs, si vous voulez les tester, les télécharger et aussi paradoxalement en parler dans une de vos vidéos, bref, vous faites comme vous voulez quoi. Voilà, donc c'est donc la fin. Alors, bilan de cette petite vidéo critique. Alors, les jeux open board, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ça peut être des jeux customisés à la peu comme les jeux Mugen. Ben, ils sont quasiment... Ils sont tous bien. Franchement, il n'y a pas à dire, ouais, ça va. C'est aussi agréable le jeu que n'importe qui. Voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Ça, c'est marrant, ça. J'ai presque envie de faire une autre vidéo sur les jeux Mugen. Attends! Yeah.